Qu'est-ce que les Tutsis peuvent revendiquer au Congo? Qu'est-ce que les Tutsis peuvent revendiquer qu'ils n'en ont pas? Ils ont dirigé le pays pendant 18 ans. Et au sommet de l'État, c'était un Tutsi qui était là. Dans le brassage, il y a 500 personnes qui sont les officiers de cette armée-là. Dans l'administration, dans les entreprises publiques, ils sont là. Dans la Dans des politique régions, même. ils sont là. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils continuent à revendiquer chez nous dans la République démocratique du Congo? C'est-à-dire, s'il faut proclamer la guerre, il faut le faire. Nous avons maintenant la possibilité de nous procurer les armes. Nous avons formé beaucoup d'enfants. Il faut les envoyer pour faire la guerre. Kagame, on doit l'arrêter et l'amener au Congo pour être jugé. Un jugement expéditif serait le mieux pour nous épargner des problèmes. Et ce genre de gens, on ne met pas beaucoup de temps. Il faut le prendre, le juger un jour, à midi, on les aiguille. C'est ça ce qui fait que tous ceux qui vont venir pour s'aventurier, ils vont penser trois ou quatre fois, car la communauté internationale ne fera jamais un jugement sur les crimes commis au Congo. Merci donc de nous joindre dans notre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous avons un thème principal pour vous, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Et comme sous-thème, nous allons parler des réaménagements du gouvernement Sama II. Nous allons parler en deuxième point de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, nous allons brosser quelques mots sur la loi Tchani. Et comme invité, nous avons M. Léonard Mpoyimo-Zenvita, qui est le représentant honoraire de l'UDPS Norvège. Il est juriste de formation et actuellement, il est fonctionnaire à Oslo, dans la capitale de Norvège. La présentation et la rédaction de cette émission est de votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Conception et réalisation de Makolo Digital, Radio-Télévision La Voix de la Démocratie Congolaise, Panorama d'Afrique. Et la diffusion et la rediffusion sera assurée sur le website www.lavdc.net. Bonjour, Monsieur Léonard Mpoyimo-Zenvita. Bonjour, monsieur Don Kayembe. Alors, Monsieur Léonard Poy, nous allons commencer par notre premier point inscrit à l'ordre du jour, réaménagement gouvernemental en République démocratique du Congo, dit Sama Lokonde II. Cela fait 3 mois que ce remaniement était présenté comme imminent. À 9 mois de l'élection présidentielle, la République démocratique du Congo du président Félix Tshisekedi redessine son équipe ministérielle. Et voici donc ma première question. Parmi les deux poids lourds du gouvernement figure à la Défense l'ancien vice-président de 2003 à 2006, Jean-Pierre Bemba Gombo, mais aussi l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Alors, Monsieur Léonard Mpoyi, pourquoi les deux sont-ils appelés deux poids lourds? Et surtout, je voudrais que vous puissiez insister sur comment expliquer leur entrée au gouvernement. Est-ce qu'il y a un choix spécial et lequel? Non, mais je ne sais pas pourquoi on les appelle poids lourds, mais plutôt peut-être puisque ce sont les anciens qui ont été dans la politique depuis très, très longtemps, mais moi je ne peux pas les appeler poids lourds puisqu'ils ont déjà perdu le poids. L'autre a perdu le poids puisqu'il a été un repris de justice auprès de la Cour internationale. L'autre, c'est qui? C'est monsieur Jean-Pierre Bemba. Et il a perdu un peu de plume et de poids, puisque vous appelez le poids lourd. Et également, comme Monsieur Caméré, il a également perdu des poids du fait de pouvoir détourner le bien de l'État, l'argent, bien sûr. Mais lorsqu'on attendait le remaniement, je pensais peut-être qu'on pourrait mettre les gens pouvant faire accélérer les choses dans la mesure où les institutions en principe, tout ce dont on a besoin pour le moment, c'est
créer des institutions ayant la confiance du peuple. Il faut que la confiance renaisse entre le peuple congolais et les institutions de la République. Certes, il a compté peut-être sur l'expérience, on n'en doute pas, mais je ne crois pas que ces gens ont eu une bonne presse. En ce qui concerne M. Kamere, c'est une déception totale pour la République. Après avoir volé vraiment beaucoup d'argent, on les met également à l'endroit où il faut encore de plus voter. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin pour me dire que bah, il faut que l'IGF puisse trouver et avoir une chaise devant le bureau des ministères de l'économie pour empêcher enfin qu'on ne puisse pas encore connaître un autre coup très profond. Et cette fois-ci, ça sera pour casser toute la République. Donc, ça prouve à suffisance que le peuple n'a pas confiance. Alors que c'est donc ce qu'il dit avait besoin, c'est rétablissement de la confiance entre le peuple congolais et les institutions républicaines. Ce n'a pas été le cas. En ce qui concerne M. Mbemba, compte tenu peut-être de son expérience qu'il a été un guerrier, mais je ne pense pas qu'il va faire grand-chose puisqu'il aura quand même une certaine réserve à prendre des mesures contraignantes sous peine d'être un récidiviste et que cela pouvait également l'engager ou engager sa personnalité sous le peine de sous la Cour internationale pénale. Voilà comment je vois des choses, mais je ne doute pas de leur compétence. Monsieur Léonard Mpoi, cela nous amène à notre deuxième question. Notre deuxième question est en deux volets. Le point A, il faut rappeler que Bemba et Kamere sont des piliers de l'Union sacrée, à savoir la majorité de Félix-Antoine Tshisekedi. Vital Kamere n'a jamais caché ses ambitions présidentielles. Le nommer au gouvernement est-ce une manière pour Félix Tshisekedi de s'enlever une épine du pied pour que Kamere ne soit plus candidat à la présidentielle? Et il en est de même de Jean-Pierre Bemba, il est toujours nourri aussi de mêmes ambitions. Est-ce que cela pourrait être une façon d'effectuer ce qu'il dit, d'enlever le brouillard dans son passage vers l'élection présidentielle? Non, moi je ne pense pas. Je pense que du fait de nommer M. Kamere, c'est juste un gouvernement électoral pouvant lui donner également le souffle pour qu'il puisse gagner les élections, puisque M. Kamere, il le sait très bien qu'après avoir volé l'argent de l'État, après avoir détourné, et probablement que le peuple l'accepte difficilement. Et sachant cela, il ne peut pas vraiment créer l'ombrage à M. Tshisekedi s'il s'agit tout simplement des élections présidentielles. Bon, moi je pense que ce qu'il a eu à faire, il a réfléchi, il a fait un calcul électoral pour avoir également le voix des gens de l'Est. Nous reviendrons. Si vous avez dit que Kamere, il a des problèmes sérieux, il ne peut pas s'affronter du point de vue électoral, en fait, tu sais qu'il dit à cause de ce passé récent, de détournement d'argent. Alors, que dire de Bemba alors? Ah oui, il reste à savoir si M. Jean-Pierre Mbemba a quand même une base électorale. Moi, je ne pense pas que pour le moment, M. Mbemba a une base électorale. Nous avons vu que chez lui, il n'y a pas vraiment l'engouement. Hein. S'il faut compter sur la base tribale telle qu'on a toujours fait des analyses en ce qui concerne l'Afrique. Bon, mais ça lui permettra tout simplement de pouvoir foncer dans la gestion pour la guerre à l'Est et tenter de pouvoir négocier et en même temps faire la guerre et la gagner. Et s'il gagne cette guerre, c'est-à-dire qu'il a un boulevard devant lui pour pouvoir
se faire élire également. Et M. Mbemba, c'est juste le genre qui pourrait encore voir en lui quelque chose, mais je ne pense pas que M. Mbemba avait vraiment l'intention de pouvoir se faire élire comme président de la République. Je ne pense pas qu'il avait cette ambition-là. OK. Alors maintenant, ça m'amène au deuxième volet de notre deuxième question. Selon d'autres visionnaires, c'est une façon de s'allier aux régions qui ne lui sont pas favorables, donc les régions qui sont plus favorables à Félix Tshisekedi, notamment celle de l'Équateur où Bemba semble être populaire, mais dans le Kivu, où vous avez Kamere qui est dans le sud Kivu, et vous avez Mbusa Nyamwisi pour le nord Kivu, et Zangi qui est le ministre de l'enseignement supérieur. Est-ce que ces remaniements ou ces changements ministériels a tenu compte de cela, donné l'électorat à M. Félix Tshisekedi? Non, il n'a pas fait, ça ne tient pas compte. Mais je pense que pour lui, hein, il a pensé que il faut le nommer pour avoir aller de l'avant, gagner des élections, en quelque sorte. Mais je crois que il compte sur le deux Kassai ou le grand Kassai d'une manière générale, qui s'éteint déjà un acquis en ce qui concerne son électorat et en ce qui concerne également le Katanga, le grand Katanga. Il pense qu'il a déjà également une base solide pouvant lui permettre de gagner les élections. C'est ainsi que Est-ce que ce n'est pas pour, quand vous dites du Katanga, du grand Katanga, est-ce la raison pour laquelle Sama Lokonde n'a pas été changé, puisque nous savons ce qu'il est jusque-là sur le plan politique, depuis qu'il est nommé Premier ministre, on ne parle pas de lui, hein, donc on ne sent pas qu'il est vraiment Premier ministre, on ne sent pas vraiment son poids dans le système de gestion du parti et du pays. Non, sentir, c'est trop dire, mais plutôt, il n'a pas d'ambition, hein. Il n'a pas d'ambition pour le créer l'ombrage, mais il peut permettre à ce qu'il peut faire quand même quelque chose en réunissant certaines personnes des Katanga pour que l'on puisse continuer toujours dans cette union sacrée et lui permettre d'avoir le deuxième mandat. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a également le directeur du cabinet qui vient également de Haut-Katanga. Il n'est pas bien connu que Sama, puisqu'il est appuyé par Dany Banza. Ces gens, certainement. Ils sont très trop connus dans le Katanga que Guylain Gnimbwe. Oui, il y a également le gouverneur. Hein, et la plupart des gouverneurs au Katanga, ils sont pour le président Tshisekedi et que c'est là, il est considéré comme étant un acquis. OK. Alors maintenant, revenons encore à une question, puisque depuis qu'il y a eu nomination, Léonard Mpoyi, mon téléphone n'a pas été de tout repos. Il y a beaucoup d'analyses, les gens qui me demandaient de point de vue, qui leur donnaient leur point de vue. Ça n'était trop. Alors, dans les discussions que j'ai eues, il y a des gens qui m'ont parlé qu'il y a deux anciens chefs rebelles, à savoir Mbemba et Mbusa Nyamwisi, au sein du gouvernement dans la République dite démocratique République du Congo, dirigée par le président issu de l'UDPS, qui a toujours prôné pour la non-violence. Est-ce une bonne image de la République démocratique du Congo en face du monde du point de vue démocratie et du point de vue l'UDPS qui n'a jamais accepté la violence? Oui, la force des choses, le fait qu'ils puissent avoir ces gens pour faire la guerre, en principe, puisque maintenant, le pays est dans la guerre. Donc, à force des choses, à quelque chose, le malheur est bon. Alors, c'est pour cela qu'il est parti chercher les anciens combattants, comme on les dit. Ils n'ont jamais été combattants, ils n'ont jamais été au front. Ce sont les chefs rebelles, ils n'ont pas... Les chefs rebelles, oui. Mais au Congo, presque tout le monde, même au Parlement, il y a toujours des chefs rebelles. Donc, le pays a été constitué par les chefs des rebelles. Il y en a beaucoup plus. Mais ces derniers, je pense qu'ils ont fait la guerre. Et c'est la raison pour laquelle il est parti le chercher. Et vous le voyez très bien que, pour moi, il ne pouvait pas les nommer puisqu'ils n'ont pas quand même eu une bonne presse. Il devait peut-être le mettre dans le cabinet obscur
pouvant lui donner des conseils pour comment faire et comment gagner la guerre. Mais il a préféré vraiment les officialiser et je crois qu'il est maintenant dans la logique de la guerre. Donc, vous pensez que la présence de ces deux rebelles, puisqu'il y a un qui était très fort dans la rébellion, c'est Mbemba, dans l'Est là-bas, et Mbusa Nyamwisi, qui est pratiquement originaire et plus bien connu dans le Nord Kivu, dans le Masisi en particulier, est-ce que vous pensez que leur implication peut terminer cette guerre? C'est une guerre à procuration, donc les gens là qui se battent là-bas, ils ne se battent pas en réalité pour eux, ce sont des capitaines médaillés de l'Occident. Vous savez, moi je ne pense pas que gagner la guerre c'est un problème d'un individu. Moi je crois que c'est il faut passer par le peuple. C'est ce qui a manqué au président de la République, puisque quand il a parlé de la réconciliation et de l'unité du pays, il fallait voir dans le pays dans son ensemble pour pouvoir donner le pouvoir, ou partager, répartir. Ses pouvoirs entre les mains de tout le peuple pour que le peuple s'engage dans cette guerre. Ce qui a manqué à notre président, c'est le fait de pouvoir expliquer cette guerre. La guerre, on peut l'expliquer en créant des assises, en faisant la conférence nationale, en invitant presque tout le monde qui devrait quand même réfléchir sur ces problèmes et avoir des stratégies communes acceptées par le peuple congolais pour aller gagner la guerre. Mais ce n'est pas un problème d'un seul individu, puisqu'il a été dans le maquis qu'il pourrait résoudre ces problèmes, puisque c'est un problème de la volonté du peuple, et que le peuple, lorsqu'il est appuyé et il a la volonté et la confiance, je crois que nous pouvons gagner la guerre. Sans la confiance de notre peuple, tout ce qu'on est en train de faire, je crois que ça n'aboutira à rien. Ok, ça n'aboutira à rien. Alors, monsieur Léonard Mpoyi, selon vous, si vous voyez la configuration de ce gouvernement Sama 2, quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et au pays et au président, Félix Tshisekedi, pour son programme? Bon, le programme pour le moment, le programme, c'est lui qui s'est dit dans sa tête, il mise élection. Il faut à tout prix qu'il gagne les élections. C'est ce qui lui semble être intéressant. Bon, quant au problème maintenant, au problème du pays, je ne crois pas que dans un an qui lui reste, il est préoccupé par Neuf mois, la situation actuelle du pas pays. même 9 mois. Pardon? 9 mois restant, pas une année. Oui, dans quelques mois qui lui restent, je ne pense pas qu'il est préoccupé pour résoudre le problème du peuple ou le problème social du peuple. Mais il compte maintenant pour avoir deux voix, que son mandat soit assuré. C'est la raison pour laquelle il est entré dans cette logique de remanier son équipe. Mais d'aucuns parlent Caméré en tant qu'économiste, il va redresser l'économie le plus vite possible, comme il parle Je ne crois pas, le je ne crois Congo pas que. sera le Brésil de l'Afrique et consorts. Ce qui est malheureux hein, quand Non, chacun. au contraire, hein, au contraire, je crois qu'il va encore voler plus. Il va encore mettre le pays à genoux. Je ne veux pas être un prophète de malheur, ni un prophète. Je crois que Kamer va encore une fois de plus décevoir. Il va trahir le Congo. Je crois qu'il est dans la logique de pouvoir remplacer M. Tshisekedi. Il est dans la logique de tutti power. Et il a été toujours consulté. Je crois qu'il est dans des réunions obscures des tutti qui veulent à tout prix mettre le Congo à genoux. Nous le verrons. Mais en ce que je vois, je pense que M. Caméré va encore une fois de plus décevoir le peuple congolais. Oui, je ne crois pas que M. Caméré va redresser l'économie du pays. Ok, voyons voir. Donc, il est mis devant le fait accompli, puisqu'il s'est dit économiste, mais il a fait l'économie rurale hein, à l'université. Oui, alors à ce moment-là, il faut qu'il aille au village pour aller faire. Agriculture.
Alors, nous avançons, Monsieur Léonard Mpoyi-Mojiam-Vita, dans le deuxième, plutôt dans la deuxième partie de notre émission. Nous allons parler de la guerre dans l'Est de la République, où nous avons dit qu'il y aura trois points à développer: les troupes de l'ASC en RDC. Nous allons parler de balai diplomatique de responsables français en RDC et de l'arrestation d'un député Tutsi de son État, qui était chef de CNDP de Kunda Batware, qu'on appelle Édouard Mwanga Tchou-Tchou. Alors, ma première question, Monsieur Léonard Mpoyi, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vivons le déploiement des militaires de la région dite la région de la communauté de l'Afrique de l'Est. Plusieurs voix se sont élevées dès l'entame à l'unisson, disant que les forces déployées dans l'Est de la RDC, son rôle n'est pas offensif. À quoi va-t-elle nous servir si la MONUSCO joue le même rôle non défensif, mais de supervision ou de spectateur, Monsieur Léonard Mpoyi? Bon, je crois que beaucoup de gens, depuis longtemps, ont dénoncé ce qui se passe dans cette guerre. Nous avons compris qu'il s'agit d'une conspiration internationale. Nous avons compris que même les forces que le président ou le gouvernement est parti chercher jouent toujours le rôle de MONUC ou MONUSCO, tous ces gens-là. Sur ces Nous voyons très mal comment nous pouvons gagner la guerre si et seulement si cette guerre, on ne peut pas l'emmener jusque là où elle vient. Puisque jusqu'à présent, nous sommes que sur le plan défensif. Alors, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe au juste? Et là, nous constatons que beaucoup de gens sont en train maintenant de connaître la vérité de la guerre qui se passe au Congo. La balkanisation dont la plupart de peuples congolais parlent était déjà effective dès l'année 2009-2013, que M. Kabila l'avait déjà accordé d'une manière implicite, puisque l'accord a été caché au peuple congolais. Et dans cet accord, on avait accepté que l'administration puisse être entre les mains des Tutsis, toute l'administration du côté de l'Est, et que notre pays puisse accepter également d'être sous la sécurité rwandaise. Vous vous rendez compte que ce qui s'est passé en 2009, ça dépassait, ce n'était pas à la portée de notre peuple. Donc, M. Kabila avait déjà accepté la balkanisation. Et là, j'entre dans la logique de certaines dames Tutsi ou rwandaises qui parlaient que l'objectif ou le but principal de M. Paul Kagame, c'est de gérer le Congo. Ce n'est pas de prendre Nord-Kivu, puisque Nord-Kivu s'est trouvé déjà sous l'administration des Tutsis depuis très longtemps, et qu'ils exploitaient le minerai qui se trouvait à l'est du pays. Donc, pour le moment, si et seulement si le président de la République veut faire la guerre pour gagner et récupérer le parti ou les territoires qui sont sous la responsabilité de M23, il faut que notre armée puisse faire cette guerre jusqu'à la mener là où elle vient. À ce moment-là, nous pouvons penser que nous sommes en train de faire la guerre pour défendre le territoire national ou l'intégrité du territoire national du Congo. Au cas contraire, tout ce que nous sommes en train de faire, je crois que nous sommes en train de rêver. Mais depuis que la guerre a commencé, il y a plus d'une année, on n'a vu aucune résistance ou bien l'attaque de FARDC repousser ces gens-là pour récupérer ne fût-ce qu'un village. Mais cette guerre ne s'est faite que sur les réseaux sociaux. Oui, mais
Sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup d'informations. Ça vient, oh, Fardessé a récupéré tel village. Et le lendemain, oh, M23 se trouve sur tel village. Moi, je pense que c'est très compliqué. Ça devient une guerre Médiatique. d'informations à la place que sur le terrain, nous voyons quelque chose de concret. Bon, alors maintenant, je reviens encore sur ma question. Est-ce que il y a vraiment à espérer sur le déploiement des militaires des 6 pays qui nous entourent? Bon, la Tanzanie au moins a refusé qu'elle ne va pas envoyer ses troupes, mais il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda qui qu'on doute aussi, il y a le Sud-Soudan, il y a le Kenya et l'Ouganda. Donc l'Ouganda, je répète. Alors, est-ce que quand ces gens-là envoient leurs militaires chez nous, ce qui est un peu marrant, on constate qu'il y a certains qu'on emploie, qu'on déploie jusqu'à Kisangani et d'autres jusqu'au Maniema. Est-ce que vraiment la guerre s'y trouve ou bien c'est un tampon qu'on est en train de mettre dans ces provinces-là? Non, mais il faut être naïf, donc, monsieur Donkayembe, de croire que entrer dans la communauté de pays de l'Afrique de l'Est et que faire venir ces pays pour faire la guerre contre un membre de l'Afrique également et le pays de l'Afrique de l'Est, je crois que c'est. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est créer une certaine utopie dans la gestion de la République. Je crois qu'ils ont fait une erreur monumentale de pouvoir croire que aller chercher le militaire de la communauté de pays africains de l'Est, nous devrions en principe les amener à faire une guerre pour entrer contre le M23, dont nous sommes en train d'accuser que c'est le Rwanda qui est derrière, puisque le Rwanda est membre de la communauté de pays d'Afrique de l'Est. Donc, c'est faire une illusion, puisqu'il faut savoir que dans le statut qui gère le pays membre, et le pays membre ne peut jamais se faire la guerre. Donc, aller chercher ces gens-là, c'est être vraiment naïf de croire qu'ils vont s'engager dans la guerre pour chasser le M23. Mais on me fait voir que le Pour le moment, M23. je crois que le Congo, en principe, doit revoir sa stratégie. Soit, sortir, il faut encore une certaine gymnastique intellectuelle pour pouvoir sortir quand il y a encore la guerre, mais je crois qu'ils peuvent leur dire de partir et se défendre seul ou chercher d'autres amis qui peuvent... Comme l'Angola. L'Angola est déjà sur le Oui, billet pour entrer aussi. mais l'Angola ne peut pas faire la guerre seule hein, si de l'autre côté, il y a le membre de l'Afrique, de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc ça pose un problème. Moi, je crois qu'il y a un grand problème qu'il faut en principe résoudre par les Congolais eux-mêmes. Et réfléchir au sein du Parlement, même restreindre un certain groupe stratégique de l'armée pour se dégager de les gens de l'armée de Kenya qui est là-bas et Burundi et autres, puisqu'ils ne feront jamais la guerre au Rwanda compte tenu de statut qui constitue. Alors, compte tenu de cette même guerre avec la lutte ou la guerre diplomatique que Félix Tshisekedi a entamée, et nous avons vu qu'il y a quand même de bons résultats. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Donc, l'ancien président français était à Kinshasa du 22 au 23 mars, où il a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Intérêts économiques, crise avec le Rwanda ont été à l'ordre du jour de la matière sur l'agenda, apprend-on de sources bien informées. Dans la soirée du mercredi 22 mars, Félix Tshisekedi et Nicolas Sarkozy ont partagé un dîner à la Cité de l'Union africaine, l'une des résidences du chef de l'État congolais. Selon certaines indiscrétions dans l'entourage de Félix Tshisekedi, au cours d'une discussion portant sur la situation régionale, l'ancien président français, je citais Sarkozy,
a proposé à son hôte de faciliter la rencontre avec Paul Kagame. Ce dernier, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi, ne s'y était pas opposé. Il a tout de même rappelé les demandes qu'il a déjà formulées, entre autres le retrait de M23 et le retour des réfugiés. Et Sarkozy n'a dit mot sur cette proposition, Félix Tshisekedi. Votre point de vue d'analyste politique de la RDC, M. Léonard Boy? Bon, je ne sais pas si Félix le sait, mais je crois qu'il le sait très bien, que M. Sarkozy, il est à la base de tout ce qui se passe actuellement. Vous vous rappelez que c'est lui qui a eu à parler avant que cette guerre puisse avoir cette ampleur, de que le Congo puisse laisser que Rwanda avoir des structures juridiques sur son territoire afin de partager les ressources minérales que le Congo possède. Et de deux, vous êtes sans ignorer que ce monsieur Sarkozy qui avait fait tuer Kadhafi, après lui avoir donné beaucoup d'argent, il a suivi pour l'éliminer. Vous êtes sans ignorer que c'est Sarkozy qui a fait partir M. Gbagbo, malgré que c'est lui qui avait gagné les élections pour remplacer son... dont il fut le parrain. Donc, croire que à la médiation proposée par M. Sarkozy, je crois que c'est une naïveté. Et de deux, M23, dans sa stratégie et tactique, c'est la négociation. Il va vous faire avec, vous fatiguer avec des négociations. Et nous l'avons constaté, c'est comme ça que l'ancien président Biarritz a été décédé ou tué par M. Kagame. On lui a fait fatiguer des négociations sur négociations. Et souvenez-vous qu'il a été tué en revenant de la négociation. Et c'est leur tactique, la méthode que M23, dirigée par M. Kagame, c'est des négociations sur négociations. Et n'oublions pas que ce sont des gens qui mentent beaucoup. Les Tutsis se fondent que sur le mensonge. Tout ce qu'ils disent, c'est le mensonge. Ils n'ont jamais dit la vérité. Ils n'ont jamais dit ce qu'ils pensent. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est le mensonge. Alors, je sais que dans la stratégie de M23 ou stratégie de M. Kagame, c'est de faire fatiguer M. Félix avec des négociations, fatiguer le gouvernement congolais avec des négociations. Et il se fonde sur l'accord qui a été signé, que plus qu'ils vont fatiguer ces bonhommes avec la négociation, ça va leur permettre d'avoir quelqu'un de leur obédience qui va être là à la tête du pays. Et à ce moment-là, ils vont bien avoir les gens qui vont solidifier au sein de toutes les institutions de la République du Congo pour prendre le pays. C'est tout ce qu'il est en train de se faire actuellement. Mais s'il est vraiment avisé, je pense qu'il ne peut pas accepter ce genre de négociations. Il doit dire non, puisque les négociations lui amèneraient toujours au brassage. Or, nous sommes déjà fatigués d'avoir le brassage. Malgré que le brassage a été vraiment à un niveau très haut, ils ont à peu près 500 officiers au sein de notre armée. L'armée a été ethnisée, l'armée a été dirigée par, elle est dirigée par les Tutsis. Une seule ethnie Tutsis qui n'est pas au Congo qui dirige l'armée. Les institutions de la République, n'en parlons pas, ils sont partout. Combien ils sont au Congo pour dominer les institutions de la République? Alors, allez-y comprendre que aller négocier avec ces genres de choses qui sont insatisfaits, je pense que vous allez vous tomber directement dans un piège où vous n'allez pas vous retrouver demain.
Alors, monsieur Mpoyi, dans ma question, ce qui est fondamental est que Sarkozy a proposé au président Félix Tshisekedi Faut dire non. de médiation et Félix a donné son accord selon Ah les oui, mais questions. quand il Il a donne dit son oui. accord, s'il précipite sa mort. Donc, puisque accepter. Félix, quand même, il doit savoir que quand on négocie avec les gens, combien de fois on a négocié, combien de fois ils ont donné l'accord qu'ils vont se retirer, ils ne se retirent pas. Combien de fois ils ont fait cela et que cela ne puisse pas trouver des solutions. C'est ça. Alors, nous avançons puisque le temps nous fait défaut. Nous allons lentement sûrement vers la fin de notre émission, monsieur Léonard Mpoui. Certains analystes trouvent anodin le ballet diplomatique français à Kinshasa. Certains y font un parallélisme avec l'arrêt ou l'arrestation d'un certain député Tutsi, ancien chef rebelle de CNDP, connu comme groupe de Laurent Nkunda Batware, vivant actuellement au Rwanda. Donc, le monsieur en question, c'est monsieur Edouard Mwangachuchu Izi, qui a été interpellé le 1er mars après une perquisition à son domicile situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, qui a abouti à des découvertes d'effets militaires, dont les armes, munitions et équipements de communication. Qu'est-ce que vous savez de cette situation, monsieur? Vous savez, parler de ces problèmes d'un quelqu'un qui est rebelle, qui se trouve au sein du Parlement, qui a trahi le pays, et faire une discussion, faire des négociations sur cette personne-là, cela nous prouve à suffisance que notre pays n'est pas souverain et nous n'avons pas la souveraineté nationale de notre pays. Un traître est soumis devant le tribunal et son exécution peut être plus rapide que possible. Pour moi, je pense que Mwanga Tchoutchou, on ne pouvait pas parler de son problème puisqu'il y a seulement, il y a tellement de preuves matérielles qui prouvent que cet homme, il est l'auteur de plusieurs des millions de peuples congolais. Nous avons perdu, on continue toujours à parler des 10 millions, mais chaque jour ici, chaque jour, les gens meurent dans la République démocratique du Congo. Et c'est ce monsieur qui contribue avec ses armes. Et c'est ce monsieur qui détient les armes qui tuent le peuple congolais. Et c'est ce monsieur qui exploite le minerai de la République. Et il utilise l'argent. Vous avez fait de ces messieurs très riches en RDC et ailleurs, puisque c'est lui qui est le grand exportateur de coltan. Des coltans. Et il l'exploite pour remettre cela à notre ennemi, à l'ennemi du peuple congolais. Et aujourd'hui, j'entends les gens, j'ai vu même certaines manifestations à Kinshasa, les gens qui sont en train de demander, soi-disant qui sont des associations non gouvernementales, qui demandent sa libération. Mais Il paraît être très généreux, hein? Il distribue moi, chef de l'État, immédiatement, on l'exécute, on le pend officiellement. Oh my On God. le pend, c'est une personne qu'il faut pendre. Vraiment? Moi, je vous dis sincèrement, et que personne d'autre dans aucun pays du monde ne peut tolérer d'avoir un homme qui détient des munitions de guerre chez lui et qui semblerait, semblerait, c'est pour être un peu sobre, mais je dis que ce bonhomme, c'est un auteur de tous les crimes commis sur le terrain. Et il semblerait même qu'il est le chef de guerre. Il envoie certaines personnes chez les gens pour régler des comptes. Et il tue du soir au matin, du matin à la nuit. Et c'est une personne Cela m'amène à la question suivante, monsieur. il faut le pendre. Écoutez, Il ne faut pas perdre le temps avec lui. je On sais le joue. Il y a des que vous n'avez preuves. pas Il de faut le mi-mesure. pendre. Moi, je dis qu'il faut le pendre. Vous aurez les gens des droits de l'homme sur votre dos. Ah ben, notre Constitution le dit. Les droits de l'homme, c'est quoi? Il y a le droit, c'est une convention. Nous, chacun a la Constitution. Et notre Constitution dit que le traître doit être pendu. Mais pourquoi on doit perdre le temps avec lui? Il faut le pendre.
Voilà, donc Ils ne feront rien, ils vont parler. Les droits de l'homme, nous avons entendu parler. Bon, quand Bush a descendu sur l'Irak, qu'est-ce qu'on a fait à Bush? Il faut le pendre. Quand il y a un traître, il faut les aiguiller. Vraiment. Alors, cela m'amène à la question suivante. Ce patron de la société minière appelé Bisunzu, député national de son État, M. Edouard Wangachuchu, a plusieurs fois été accusé par ses adversaires politiques d'entretenir une milice privée qui serait responsable de l'insécurité dans le Masisi, son fief électoral. Pourquoi le gouvernement congolais l'a si longtemps négligé? Il faut bien le dire que ce Même le gouvernement a gouvernement été. actuel, depuis 2019, c'est là où il y avait même un débat au niveau du Parlement où un élu de Masisi l'a accusé dans la salle, dans l'hémicycle de Parlement, que ce monsieur, il est dangereux. Il n'y a pas longtemps, en 2019-2020, mais le gouvernement n'a rien fait. Je parlais il n'y a pas longtemps, je disais que ce monsieur d'abord a commencé à corrompre certains membres qui étaient très forts, comme les Kabound et les autres, l'argent circulait. Et en deux, je disais qu'il y a une faiblesse sur le plan de la souveraineté du Congo. Et je ne cessais de dire que, administrativement, c'est comme si le régime actuel avait dans sa tête que administrativement, les nords qui vont être dirigés administrativement par d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que on n'a pas pu prendre ce monsieur depuis très longtemps alors qu'il y avait des milices qui traumatisaient le peuple congolais à l'est du pays. Est-ce que ce n'était pas dans Encore des où preuves. le président Tshisekedi ne veut pas de tumulte, donc il voulait quand même que les histoires marchent avec la symbiose des Binyamulenge, comme on les appelle, avec l'autre groupe de Congolais. Vous savez que ces gens, ils se considèrent comme, ils disent toujours qu'ils veulent être Congolais. Mais Oui, quand il y a un ils le problème, sont ou bien ils veulent être. Hein? Non, ils ils ne sont sont pas Congolais, ils Congolais. veulent Ils sont pas. Non, non, ils ne sont pas Congolais. Ils s'imposent, ils veulent être Congolais. Puisque nous l'avons remarqué à maintes reprises, que quand il y a un problème, ils disparaissent. Depuis Laurent Désiré Kabila. Quand ils sont coincés, ils deviennent Rwandais. Et vous avez vu hein, le Bressage. Il y a certains colonels ou généraux qui sont partis pour aller du côté de M23. Ils reviendront encore en effet Et après, dans les négociations proposées par l'ancien Sarkozy. président français, Sarkozy, ils veulent qu'on puisse négocier. Et après avoir négocié, ils vont redevenir encore les généraux. Et quand il y a un problème, ils sont rendus. Or, notre constitution le dit clairement que la nationalité est l'une et exclusive. Donc, comment expliquer qu'on pourrait avoir les gens hybrides à telle enseigne qu'ils ne sont pas satisfaits en principe de tout ce qu'ils ont? Qu'est-ce que les Tutsis peuvent revendiquer au Congo? Qu'est-ce que les Tutsis peuvent revendiquer qu'ils n'en ont pas? Ils ont dirigé le pays pendant 18 ans. Et au sommet de l'État, c'était un Tutsi qui était là. Dans le Brassage, il y a 500 personnes qui sont les officiers de cette armée-là. Dans l'administration, dans les entreprises publiques, ils sont là. Dans la Dans les politique régions, même. ils sont là. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils continuent à revendiquer chez nous, dans la République démocratique du Congo? Ah, c'est une question fondamentale, qu'il faut en principe que notre peuple donne la réponse à cette question pour savoir que nous sommes devant les gens qui nous font la guerre, qui veulent nous tuer pour se substituer, pour prendre le Congo. Et sur ce, il faut se défendre. Et la défense ne veut pas dire aller chercher leurs amis et entrer dans leur organisation pour demander à cette organisation de venir régler le problème. Alors, là, c'est une naïveté totale que le dirigeant congolais manifeste. Alors, qu'est-ce que vous proposez?
Alors moi, c'est là, je propose que le Kenya rentre chez eux, les Burundais rentrent chez eux, et maintenant qu'on s'organise militairement pour attaquer ces gens. Hein. Il faut la guerre, il faut faire la déclaration de la guerre, puisque nous ne pouvons pas être naïfs à croire que ces problèmes vont se régler sur le plan des négociations. Ça ne va plus se régler sur le plan Mais des on va se négociations. battre Vous contre l'avez tout ce vu, vous pays. l'avez constaté, que quand Félix avait accepté, le président de la République, bien sûr, il avait accepté de pouvoir donner les marchés à Gagamé, ils ont négocié, ils ont vu, trouvé que non, il ne parvenait pas à avoir tout ce qu'il avait pendant la période de M. Kabila. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les tuer. Il a organisé à maintes reprises. Il y a eu beaucoup de tentatives pour l'éliminer. Alors, ce qui veut dire qu'ils vont tout faire pour avoir quelqu'un de leur obédience, notamment le bonhomme qui se réclame également le Congolais, et pourtant il n'est rien pour le Congolais, puisqu'on on va en revenir là-dessus. Mais tout cela pose un problème de l'unité de de nos compatriotes. Il faut que le Congolais se mette debout, qu'il se réveille. Il est temps pour qu'il puisse comprendre que nous sommes en face de nous, un ennemi, et il faut maintenant se tenir debout pour chasser l'ennemi du Congo. Ok, alors selon certaines langues, on disait que ce monsieur, Edouard Mungachuchu Izi, il s'est préparé pour diriger ce pays un jour. Est-ce que vous avez appris Ah ça? bien sûr, vous l'avez vu. Diriger un jour le Congo, un monsieur qui est un Tutsi, et c'est ça leur intention. C'est ça leur but fondamental. Et devant ces genres de gens, on ne se trompe pas. C'est On ne ça. se trompe Bien pas. qu'on dit qu'au Congo, le Congo est constitué des minorités, donc leur minorité est minoritaire. Mais ils veulent dominer sur le Congo en On général. n'a jamais parlé du problème des minorités au Congo, puisque tout le monde est Et minoritaire. minoritaire, c'est ça. Mais ils sont Tout le minoritaires, monde donc est ils veulent des minoritaire au minorités. Congo. C'est ça. Alors, Il n'y monsieur. a aucune ethnie qui est majoritaire. Pas du tout. Donc, c'est dire qu'on est. Non, c'est une chanson qu'on a déjà entendue depuis très longtemps, qui nous ont vraiment bouché les oreilles. Ethnie, minoritaire, minoritaire. Nous n'avons pas les Tutsis chez nous. Hein. Eux-mêmes, ils le savent très bien qu'ils s'assimilent. Au Congo. Et lorsque on vient au Congo, il n'y a jamais eu une nationalité collective, monsieur. Donc, hein. Ça n'existe nulle part. Vous êtes aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu les États-Unis prendre une mesure? Il y a des Tchèques ici, tous les Tchèques se deviennent les Américains. Jamais. Il y a une loi qu'il faut respecter. Il faut manifester les désirs, il faut manifester, formuler expressément ta demande. Mais tous les Tutsis que nous avons au Congo, personne n'a formulé une demande pour être un Congolais. Mais ils se disent Congolais, mais finalement, est-ce que Rwanda, c'est une république démocratique du Congo? Pourquoi il n'y a pas de Congolais au Rwanda qui se disent le Rwandais? Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose. Même la communauté internationale, en disant cela, ben, y a vraiment quelque chose que le monde ne comprend pas ou que le monde ne veut pas comprendre. Depuis quand toute personne, puisque il est membre d'une telle ethnie dans un pays quelconque, et quand il traverse ce pays, il se proclame automatiquement l'originaire de ce pays. Donc, c'est vraiment illogique, ça n'a jamais existé dans aucune loi du monde. Et pourquoi on doit accepter que ces gens sont les Congolais? En vertu de quelles dispositions de la loi internationale, même nationale? Ce problème a été réglé depuis très longtemps Tutsi, mais le rendait en principe, mais nous avons le problème avec le Tutsi. Et pourtant, la loi avait réglé ces problèmes que sous ceux qui étaient au Congo depuis 1960 étaient considérés comme le Congolais. Mais ils ne sont pas Congolais d'origine. Ils étaient considérés comme le Congolais. C'est-à-dire, mais cette déclaration faite par M. Mobutu dans les années 70, ça a été annulé par la Cour des cassations.
de notre pays. On avait annulé cette déclaration en disant que la nationalité ne peut être collective, elle est individuelle. Tu demandes, tu désires devenir un Congolais, on te l'accorde. C'est comme ça que la loi le dit. Et encore faut-il que le ministre de la Justice puisse entériner cela. Mais vous pouvez partir au ministère de la Justice chez nous, vous ne trouverez aucune demande de M. Rouberois ou qui que ce soit pour devenir un Congolais. Donc, ils se sont imposés chez nous, puisque ce sont les gens qui ont travaillé depuis très longtemps pour nous dominer. Le Premier ministre Lunda Bululu l'avait dit, ce bonhomme de Matata Mponyo, il était dans la délégation des Rwandais lorsqu'il était Premier ministre. Aujourd'hui, Matata Mponyo est devenu même le Premier ministre de chez nous, un Rwandais. Vous voyez combien nous sommes infiltrés. Et ce pays a été beaucoup plus hospitalier que si on ne va pas passer sur le fait ou sur la table de ratatiner certaines personnes. Je pense que nous ne pouvons pas trouver une solution. Je disais que ce que nous pouvons faire, c'est voir avec la population congolaise pour que cette population puisse s'unir et puis développer certains principes et stratégies pour mettre fin à cette guerre. Voilà, alors nous allons chuter par la loi Tchani. Au troisième jour de la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo, Noël Tchani a été reçu au siège du Parlement de RD congolais par le président de cette institution, M. Mboso Kudiampwanga. Entre les lignes de mire, l'inscription loi qui porte son nom sur la matière à traiter dans cette législature. Quelle lecture faites-vous quand les gens disent que cette loi, elle est taillée sur mesure pour contrer M. Katumbi à la présidence? Non, mais d'ailleurs, cette loi n'est pas taillée sur mesure. Elle existe d'ailleurs. Mais quand je vois les Congolais, en principe, mettre l'accent sur la loi Tchani, c'est juste un certain, j'appelle ça ajustement. Mais sinon, cette loi existe au Congo. Où elle existait? Elle existe. Si vous êtes devant, ou si vous avez votre constitution, il faut voir l'article 72. L'article 112 de notre constitution. Qu'est-ce que cet article, je vais vous le lire. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Voici les conditions. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, en prenant l'alinéa 1, posséder la nationalité congolaise d'origine, qu'est-ce que cela veut dire? La nationalité congolaise d'origine, il faut être un Congolais de père et de mère. Non, la Constitution, quelqu'un m'a fait dire qu'il faut être Congolais de père ou de mère. C'est ce que la Constitution dit. De père ou de mère. Il faut être détenu sur l'ensemble des territoires. Dans l'article, je crois, l'article 6 du Code de la famille, est Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo présentement.
la RDC. Mmh. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même si tu es de père ou de mère, puisque la loi est venue pour parler également de la nationalité par présomption, ce qu'on appelle en France soli jus, les droits du sol. Mais à condition, la différence en est que à 18 ans, vous pouvez vous proclamer si vous êtes, vous pouvez demander si vous voulez en acquérir la nationalité congolaise ou vous allez choisir l'une des nationalités de deux parents. La loi est tellement claire là-dessus, même si ça dit où est le père. Cela veut dire la même chose, puisqu'il y a la nationalité qui est prévue par présomption. Donc, si vous avez une mère congolaise et papa un Burundais, vous n'avez pas directement la nationalité congolaise. Il faut, puisque chez nous, on n'a pas les droits de sol comme en France, comme d'autres pays, que dès que tu es né sur le territoire congolais, tu es congolais. Non. Ah, tu attends 18 ans pour demander l'une des nationalités de tes parents. Est-ce que je peux vous demander, alors, à travers M. Mpoi, il y a quelqu'un qui a demandé un débat sur cette question de nationalité, de la loi. Comme vous êtes juriste, lui aussi juriste, j'aimerais peut-être proposer qu'on puisse se retrouver un jour. Très bien, très bien. Nous pouvons engager un débat là-dessus. Moi, je pense que le Congolais s'empoignarde ou se coupe le chevet en quatre dans le sens de la longueur. Là, il n'y a pas un problème. La loi Tiani n'a pas vraiment des conséquences sur ce qui se dit aujourd'hui. Et les bonhommes qui disent que, bon, on taille la loi sur mesure. Non, la loi n'est pas sur mesure. Mais lui-même, il est déjà écarté dès l'avance. Sa mère n'est pas congolaise, son père n'est pas congolais. Et lui-même, il est né, il ne doit pas avoir la nationalité congolaise puisqu'il en a déjà plusieurs. Or, la nationalité congolaise est l'une et exclusive. Exclusive. Il a été grec, il a des passeports italiens, il a ceci. Donc, tout cela l'exclut automatiquement. Tout ce qu'il y a eu au Congo, c'était l'application de la loi qui faisait défaut. Et si on applique correctement la loi telle qu'elle existe dans la Constitution, je crois qu'il est déjà exclu. Ça ne me demande même pas que Kanye puisse faire passer cette loi dans le Parlement. Moi, je suis convaincu que si vous regardez l'explication de l'article 6 de l'I, c'est clair. Si vous allez également lire l'article 72 de notre Constitution, il est tellement clair. Il faut posséder la nationalité congolaise d'origine. Le bonhomme n'est pas d'origine. Quoi qu'il en soit, qu'on explique où est, c'est la même chose. Puisque sa mère n'est ni congolaise, son père n'est congolais. Et lui-même, on ne sait pas de quel. D'ailleurs, j'ai appris qu'il était par alliance, c'est le frère à Judas qui avait trahi Jésus. Ok, monsieur Léonard Poyouadjavita, merci beaucoup. C'est pratiquement la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Avant d'aller au mot de la fin, je voulais épingler une histoire que vous pouvez un peu expliquer là. Est-ce que vous ne voyez pas le danger d'amener cette multitude de militaires d'autres États sur le sol congolais en train de proliférer les bâtards, les enfants qu'on laisse sur l'étendue de la République, qui vont encore poser le même problème, monsieur. Un problème de plus, monsieur Donkayembe. Même ceux-là de Monusco, c'est un problème de plus. Ils nous laissent des enfants là-bas, ils vont partir, comme les Japonais nous avaient laissé d'autres au Chabat. Et c'est le même problème qu'on va connaître. Et un jour, ils vont se proclamer, nous sommes les enfants de Manas appelle de Serelangue et nous demanderons un territoire. Donc c'est le même problème. C'est le même problème qu'on est en train de connaître, mais c'est là, c'est pour expliquer à la communauté internationale que nous sommes accusés, nous sommes dans une conspiration internationale qui n'a pas son sens.
Et si aujourd'hui, M. Tchani est en train de proposer cette loi, c'est à cause de cet outil qui nous embête tellement qu'ils sont insatisfaits. Ils veulent s'accaparer de tout. Ils sont dans la sécurité, ils sont dans le Parlement, ils sont dans le Sénat. Donc, partout, ils sont là-bas, alors qu'ils ont, ils ne sont même pas plus d'un million. Qui les vote? Combien de membres ils peuvent voter le 1 million qui sont au Congo ou bien 800 personnes? Mais Vous voyez ils sont combien? parlementaires au Sénat, donc vous votez pour eux. Mais qui peut le voter? Et si, ben c'est là, à l'encontre de l'argument qui a été toujours imposé par l'Occident en disant que le vote chez vous, le vote est tribal. Mais si le vote est tribal, pensez-vous qu'il peut y avoir un tout au Parlement? Pensez-vous qu'il peut y avoir un tout à la tête du pays comme Kabila l'a été depuis 18 ans, 20 ans? Donc, c'est pour vous expliquer que notre pays est dans une conspiration et si on ne se réveille pas, si on ne se met pas, si on ne se soude pas, je crois que nous serons le lendemain le peuple sans terre. Vraiment. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre mission, Monsieur Leonard Mpoyimodianvita. Un mot de la fin, s'il vous plaît. Un mot de la fin. J'ai été très content du discours du président Fati que aucun de notre peuple n'acceptera que le pays puisse être divisé, même un centime de ses frontières. Et de deux, je l'encourage qu'il puisse aller jusqu'au bout, c'est-à-dire s'il faut proclamer la guerre, il faut le faire. Nous avons maintenant la possibilité de nous procurer les armes. Nous avons formé beaucoup d'enfants. Il faut les envoyer pour faire la guerre. Kagame, on doit l'arrêter et l'amener au Congo pour être jugé. Un jugement expéditif serait le mieux pour nous épargner des problèmes. Et ce genre de gens, on ne met pas beaucoup de temps. Il faut le prendre, le juger un jour, à midi, on les aiguille. C'est ça ce qui fait que tous ceux qui vont venir pour s'aventurer, ils vont penser 3 ou 4 fois, car la communauté internationale ne fera jamais un jugement sur les crimes commis au Congo. Nous avons vu que tout le rapport des Nations Unies se trouve bouché dans le territoire et personne n'aille le chercher. Donc, il faut que nous-mêmes, nous prenions en charge. Et se prendre en charge, c'est qu'il faut avoir des outils nécessaires et faire la guerre à M. Kagame pour qu'il ne puisse pas continuer toujours à tuer le peuple sur notre territoire. Bien, alors il ne me reste plus qu'à vous dire grand, grand merci d'avoir accepté notre invitation, M. Leonard Mpoyimodianvita. Espérons vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Et je suis d'accord pour faire ce dialogue, cette discussion avec celui qui dit que bon, la loi Tchani, c'est une loi par mesure, alors que la Constitution le dit exactement, c'est que la Tchani est en train de proposer aujourd'hui, mais juste dans un terme de l'ajustement. Merci. C'est là possible. Nous allons organiser ça après la Pâque. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Merci pour vous autres qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Nous sommes très, très flattés par votre fidélité à la radio-télévision Makolo Digital Télévision, la voix de la démocratie congolaise. Nous consacrerons encore d'autres émissions sur la situation de la République démocratique du Congo de l'Afrique jusqu'aux prochaines élections en ce pays. C'était votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. En attendant, ciao.